Son amour va me tuer. Alléluia. Moi j'aime Jésus. Vous arriverez. Jérémy Maligaro, Surumi Malgivorem, Jésus est bon. Il n'y a pas comme Jésus, je n'ai que Jésus, oh oh, je n'ai que Jésus, oh oh, Jésus est mon Dieu. Et il est mon Dieu, moi je n'ai que Jésus, oh, je n'adore que lui, personne n'est comme toi, oh, 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 oh. Moi j'aime Jésus. Jérémy Minalego, Usurumi Malikum Lei, Urami Malo, sans toi je ne suis rien, je suis perdu, je suis fini, complètement fini, oh oh. Si tu m'abandonnes, Adjera Melo, je suis au carrefour, à croiser des chemins, je m'appuie sur Jésus, oh, 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 j'ai besoin de toi, tiens-moi par la main. Dirige mes pas, tiens mon cœur, oh, oh, garde ma vie, conduis mes pas, sois mon berger, oh, oh, berger de mon âme, j'ai besoin de toi, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis fini. Complètement fini, oh. Sans toi, je suis à terre, oh. Oh, Gazurami, Bezurami, Maroven, Maroven. Surumi, Molegaro. Surumi, Molegaro. C'est pour un mimani sera, guéris mon cœur, guéris aussi mon âme, guéris mon esprit, j'ai besoin de toi, oh, oh, sans toi je suis mort, oh. Seigneur tu es mon Dieu. Seigneur, tu m'as fait des promesses, la promesse de me conduire, oh, oh, jusqu'à ton ciel, dans la nouvelle Jérusalem, dans ma demeure haute, ma maison d'en haut, et cette belle maison, oh, oh, où je veux aller, oh, 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 en vue de ma maison, dans ces rues honorées, ces belles rues, où les rachetés seront consolés, je rêve de toi. Je suis fou d'amour, et
Ton amour va me tuer. Je rêve de ma maison. Cette belle maison. Là-bas dans ton ciel. Oh oh. Gusura mi mor. Mesura mi malei. Beksura mi maleika. Surumir fili baligelo. Oh. Baligelo. Usura mi mor. Un jour je m'en irai haut, vers les demeures éternelles. Tes anges vont m'accueillir. Je verrai les vainqueurs vieillards. Je verrai les chérubins avec les quatre roues, les quatre êtres vivants. Dans la demeure de Jésus, oh oh, Mazara mi lo sheram, Gezora mi mur, conduis-moi, es providoren, tiens ma main, Kuzaro me lo, oh oh, Gezora mi lo. Béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le bon berger. Il a dit, ego, eimi. Moi, je suis le bon berger. Disons-lui merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la grâce d'être vivant, pour la grâce d'être ici, pour la grâce d'être là, pour la grâce de respirer, pour la grâce de parler, pour la grâce de voir, pour la grâce d'être ici. Nous disons merci à Dieu d'être le bon berger de nos âmes. Dis-lui, Seigneur, sois le bon berger de mon âme. Il dit, ego eimi he opohi meno kalon. Moi, je suis le bon berger. Nous prions au nom souverain de Jésus. Oh, gazami taulai. Se malei valo seram. Bazera mi mor fili. Sois le conducteur de mon âme, Seigneur. Mon bon berger, Jésus. Conduis mon âme chaque jour. Ne m'abandonne pas. Oh, oh, j'ai besoin de toi. Je suis fou de toi. Oh, oh, si tu me laisses, je suis brisé. Maliana ou Elafili ou Ispraï, Père, mon âme s'humilie profondément devant toi. J'ai besoin de toi. Sois le bon berger de mon âme, Jésus. Sois le bon berger de mon âme, mon Dieu. Seigneur, conduis ma vie. Dirige mes pensées. Sois le berger de mes paroles, de mes actes. Ô Dieu, sois mon bon berger. Sois pour mon frère, pour ma sœur, son bon berger, dans le nom précieux de Jésus. Afin d'éloigner nos pas de la rébellion et de la désobéissance. Seigneur, sois notre bon berger. Béni soit ton nom, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, le Seigneur Jésus-Christ est ton bon berger. Dis-lui merci, parce qu'il est ton bon berger à partir de ce jour. Et sa main sera avec toi, et sa fidélité sera ton bouclier. Il dirigera tes pensées, sera le berger de tes paroles, de tes actions, et tu seras éloigné de la voie de la rébellion, de l'insoumission, et ton cœur et ton âme seront rattachés à la cause de Christ et de son royaume céleste que nous rejoindrons bientôt. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons prendre un autre sujet de prière. La Bible dit, et dit, Yahweh Rohi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Nous allons demander au Seigneur, qui est notre bon berger à partir de désormais, de nous conduire vers de verts pâturages. Vous savez, parfois nous nous sommes retrouvés vers des pâturages arides, vers des pâturages gâtés. Et nos vies sont à l'image du pâturage qui nous nourrit. Donc si tes pâturages sont secs, alors automatiquement ta vie sera sèche aussi. Si ton pâturage est vert,
ta vie sera verdoyante, ta vie sera florissante et sera enrichie et enrichissante. Demandons au Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de nous conduire vers de verts pâturages. Dis le Seigneur, conduis mes pas vers de verts pâturages. Conduis ma vie vers de verts pâturages. Conduis mon mariage vers de verts pâturages. Conduis mon ministère vers de verts pâturages, Jésus. Là, je trouverai la prospérité et la vie. Je trouverai l'abondance de l'amitié de l'Éternel. Là, je trouverai une complicité avec mon Dieu. Oui, il sera mon ami. Il sera mon confident. Là, ma relation avec lui deviendra prospère. Nous prions au nom souverain de Jésus-Christ. Balaka wa ines mali elo wa idres pali kinsa u vares. Seigneur, conduis mon âme vers de verts pâturages. Sois mon bon berger. Sois le berger de ma vie, le berger de mes pas. Conduis mes pas vers de verts pâturages. Vers ces pâturages que tu as réservés pour tes saints. Vers ces pâturages que tu as réservés pour ceux qui craignent ton nom. Oui, Seigneur, que je craigne ton nom. Sois mon bon berger. Tiens ma vie et conduis-la. Dirige mes pensées, Jésus. Dirige mes paroles. Dirige mes actions. Dirige les décisions de ma vie. Je ne veux rien faire de moi-même. Je ne veux rien faire par moi-même. Je ne veux rien faire pour tirer gloire personnelle. Mais je veux agir pour ta gloire et ton unique gloire. Ô mon Dieu, ô mon Jésus. Bal edan wa ines palikan. Wa idelas man salita wa annau alifil. Wa idres preso grefres. Inora banau tali gros. Père, merci pour ta grâce dans ma vie. Que ton nom soit grand. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen où tu es. Si tu as dit Amen et si tu as prié avec foi, le Seigneur vient de te conduire vers de verts pâturages. Vers des pâturages où ta vie sera différente, où ton sort sera différent. Tu arrives vers ce vert pâturage où ta relation avec Dieu est au top, au plus haut niveau, où ta relation avec Jésus, c'est-à-dire que tu te couches et tu vois les anges. Dès que tu fermes les yeux, tu as des révélations, tu as des visions. Tu entends la voix de Dieu. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre, et voici le Seigneur est debout à ta droite, et il te parle. Tu poses une question et Dieu te répond. C'est ça des verts pâturages, où ton ministère devient puissant, où l'œuvre de Dieu devient puissante et prospère dans ta main, où ton mariage devient prospère, parce qu'il est nourri par des verts pâturages. Oui, vous êtes prospère. L'œuvre de vos mains prospère. Tout ce que vous entreprenez prospère. Oui, ton mari prospère. Tes enfants prospèrent. Toi-même, tu prospères. Vos entreprises prospèrent. Oui, les verts pâturages. Vos enfants sont prospères à l'école. Celui-là va aux États-Unis pour les études. L'autre travaille en Belgique. L'autre travaille aux Nations Unies, etc. L'autre est à la NASA. Parce que vous êtes fondés dans des verts pâturages par la grâce de Dieu. Bien-aimé. Dans ces verts pâturages, il n'y a pas de pleurs. Dans ces verts pâturages, il n'y a pas d'échec. Dans les verts pâturages, il n'y a pas de souffrance. Dans les verts pâturages, il n'y a pas de regret. C'est le lieu où tu dois être. C'est le lieu où je dois être. C'est le lieu où Dieu doit nous planter aujourd'hui. Que Dieu nous plante dans ces verts pâturages. C'est un lieu à visiter, mes bien-aimés. C'est un lieu absolument que nous devrions atteindre. Nous devons arriver au vert pâturage que Dieu a réservé pour nous. Seigneur, merci. Parce que tu nous as conduits au vert pâturage, dans tes verts pâturages, que ton nom soit béni pour l'abondance que nous trouvons dans les verts pâturages, pour la consolation que nos cœurs trouvent dans ces verts pâturages. Bien-aimés, lorsque l'Éternel nous conduit dans les verts pâturages, nous sommes consolés. Nos cœurs sont consolés. Oui, balita wa anas palikum, nous sommes consolés. Que le nom de Jésus-Christ soit loué, que son nom soit exalté. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Dis Amen à la maison et t'établis dans le vert pâturage où l'Éternel est ton berger. Il est lui-même ton berger. C'est une question d'homme. L'Éternel est ton berger, il est avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais profiter de l'occasion que le Saint-Esprit me donne ce matin pour t'inviter à un événement qui changera ta vie. Un événement où Dieu va réécrire l'histoire de ta vie. Un événement où Dieu veut battre sur leur ventre et sur leur dos ceux qui t'ont méprisé, insulté le Dieu dont tu es la servante, dont tu es le serviteur. La grande nuit des flammes, la nuit des exploits, c'est ce vendredi.
30 juillet, à partir de 21h à la Bire à Yaoundé, la nuit des exploits. Nous avons fait le culte des plaintes à Douala et c'était extraordinaire. Quoique j'ai été pris du coup par le temps, mais je pense que le peuple a été béni. Oui, le peuple a été béni. Je n'ai pas fini le programme, mais le peuple a été béni. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont été présents. Alors, ce vendredi, à partir de 21h, ne manquez pas à la Bire, à Yaoundé. Lorsque vous arrivez au Carrefour Kouaban, vous arrivez en Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous amène à la Bire, la base internationale REMA. À partir de 20h, 19h, soyez là parce qu'il y aura des gens qui viendront de partout. Nous venons clôturer le mois et c'est un grand événement. Ne laisse pas que ce mois finisse sans que tu ne te sois présenté devant l'Éternel ton Dieu. Donc sois là ce vendredi à Yaoundé. Tous ceux qui sont aux environs de Yaoundé, tu peux quitter même Douala, tu peux quitter Bamenda, tu peux quitter de n'importe où au Cameroun, tout simplement pour venir clôturer ton mois et introduire le nouveau mois dans la présence de l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel sera ton berger et te conduira vers de verts pâturages. Donc ce vendredi, si vous êtes malade, ne manquez pas. Vous savez que le vendredi, nous avons toute la nuit. Donc, j'ai tout le temps de prendre soin de chacun, cas par cas, cas par cas. La prophétie, cas par cas. Prière, cas par cas. Guérison, cas par cas. Témoignage, tu viens témoigner des bienfaits de Dieu pour ta vie. Et nous allons célébrer le Seigneur pour la grande délivrance qu'il nous a apportée. Et puis, l'enseignement sera de qualité, de taille pour te tailler dans le roc, pour te ramener dans les verts pâturages, pour t'aider à retrouver tes verts pâturages. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens ce vendredi. Chaque pas que tu marqueras de ta maison pour l'église sera un pas victorieux dans les batailles de ta vie, un pas de gloire, un pas de retour glorieux dans la splendide pâture que le Seigneur a pour toi, tes verts pâturages. Viens retrouver tes verts pâturages, toi et ta famille, ne laisse personne à la maison. Viens avec ton mari, ta femme, tes enfants, s'il te plaît, sois là ce vendredi et la main de Dieu sera sur toi avec puissance et autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. Nous sommes en train de clôturer le mois des exploits. Et mon âme bénit le Seigneur pour sa fidélité. Et je prie pour toi que Dieu t'établisse dans les exploits. Ce matin, il y a une notion d'exploit que Dieu veut mettre dans ta vie. Vous savez qu'on a tellement parlé, on a bavardé. Chacun a parlé, chacun dit ce qu'il voulait dire. Mais ça ne change rien de ce que la Bible nous promet. La Bible promet la prospérité, le bonheur sur cette terre. La Bible promet à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, au commandement de Jésus-Christ, la prospérité, une place de choix parmi les hommes. Une personne qui obéit au commandement de Dieu, une personne qui est attachée à Dieu, une personne qui est attachée aux valeurs bibliques, ça veut dire qu'il lit la Bible pour la pratiquer et non pas comme un roman. Cette personne, je n'ai jamais vu une personne attachée à Dieu qui applique son cœur à mettre en pratique les commandements de Dieu, la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et sa vie n'a aucun sens. Non, bien-aimé, la parole de Dieu redonne un sens à ta vie. La parole de Dieu recadre ta vie. Imaginez-vous, c'est que les gens parfois, j'ai mal pour l'église au Cameroun. Je vous dis la vérité, j'ai trop mal. J'arrange parce que ça a commencé. Ça a déjà commencé. J'ai mal pour l'église de Dieu au Cameroun. Vous voyez, j'ai dit quelque chose et c'est une remarque personnelle que j'ai faite et je la partage avec toi. Il y a plus de prédicateurs que jamais dans notre pays et même dans l'Afrique en général et dans le monde. Il y a plus de prédicateurs. Il y a beaucoup plus de prédicateurs, de personnes qui parlent de la part de Jésus. Mais c'est des prédications contradictoires. C'est des prédications qui, à la fois, à la fin, jonglent les gens. Ça veut dire des prédications qui confondent les chrétiens. Au lieu d'être édifiés, on est confondu, on est dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend plus rien. Des prédications contradictoires. Vous ne pouvez pas me dire, à moi, prophète Ferdinand Ikane, qu'en acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je vais vivre dans la pauvreté et que rien ne fonctionnera pour ma vie sur la terre, que je n'aurai que la souffrance et la persécution et la misère, à la pauvreté, et c'est ça qui est le signe que j'ai Dieu, c'est le signe de la sainteté. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, mon ami. Va dire ça ailleurs. Mola, va chercher un bout ou ailleurs. Cherche un autre bout. Va chercher un illettré biblique, un analphabète spirituel. Oui, là, va chercher un toc-toc spirituel, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la Bible, ou qui lit la Bible sans la comprendre. Oui, va chercher quelqu'un qui manque d'éducation biblique. Ne viens pas avec les intellectuels spirituels. Parce qu'il y a les analphabètes spirituels dans le royaume. Il y a aussi les intellectuels spirituels.
Il y a les agrégés spirituels, des gens qui connaissent leurs droits, qui connaissent la vérité. Je ne suis pas un bouddha, bien-aimé. Tu vas tromper un bouddha avec ton évangile là. Ce n'est pas possible avec moi. Et tous ceux que Dieu m'a échoué en partage ne sont plus d'un bouddha. Il n'y a aucun bouddha parmi. Il n'y a aucun bouddha man ou bouddha woman. Il n'y a pas de bouddha. Mon bien-aimé, partout où je passe, tu es délivré de l'esprit d'un bouddha man à l'ambudmania. Tu es délivré immédiatement de l'ambudmania. Homme, femme, enfant, jeune, tout le monde reçoit la délivrance de l'ambudmania. Partout où je passe, vous êtes éclairé. La Bible dit. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Elle va vous affranchir de l'emboutmania. Il faut tromper l'embout spirituel, mais pas les gens comme nous là. Nous sommes éveillés. Je suis chrétien, j'ai droit au bonheur. Je suis chrétien, j'ai droit aux exploits. La Bible dit avec Dieu, ferons les exploits. Tu ne comprends pas ce que le mot exploit signifie. Tu ne maîtrises ni l'étymologie, ni la polysémie, ni la sémantique. Ni la philologie du mot exploit. Et puis tu vas venir dire aux gens, non, vraiment les chrétiens qui prient pour la prospérité, les églises où on prie pour la prospérité là, vraiment Dieu n'est pas là, prêcher le vrai évangile. Non, c'est le faux évangile qu'on prêche. Toi, tu prêches quel vrai évangile? Ton évangile est vrai. C'est quel vrai évangile que toi tu prêches? Dis aux gens qui seront pauvres, c'est le vrai évangile. Quel est le verset biblique qui dit clairement que ceux qui sont en Christ seront pauvres? Quel est le verset biblique qui le dit, frère? Faut faire attention. Nous avons embrigadé l'église. Ça veut dire que nous avons plus fait du mal à l'église que le diable lui-même. On a plus fait du mal. Les prédicateurs de ce siècle ont plus fait du mal à l'église que le diable lui-même. Ça fait un problème. Ça veut dire que nous avons fait le travail du diable. Le diable est resté chez lui. Il boit, il mange, il regarde, il rit. Il dit, ah, il faut déjà mon travail. Laissons-les faire son travail, mon travail. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant le danger que cette époque allait représenter pour l'église de Jésus-Christ, il dit d'abord, hein, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs parmi vous. Qui va donc réduire le nombre de prédicateurs aujourd'hui? Hein? Entre nous, qui va réduire le nombre de prédicateurs? Tout le monde va rester chez lui, dit Dieu m'est apparu, il m'a dit que tu es prophète. Et puis, on l'appelle prophète. Tout le monde peut se lever chez lui, il dit Dieu m'a apparu que je suis bishop. Et on l'appelle bishop. Dieu m'a parlé que je suis trishop. Et on l'appelle trishop. Dieu m'a appelé que je suis quatrishop. Et on l'appelle quatrishop. C'est ça la réalité aujourd'hui. Personne ne contrôle rien et personne ne peut rien contrôler parce que rien n'est réglementé au milieu de nous. Mais c'est ça le danger. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Ça fait que quelqu'un lit la Bible, d'abord la langue dans laquelle il lit la Bible, tu te demandes que c'est son patois et le gars est convaincu qu'il lit dans un français soutenu le texte biblique et toi tu es vraiment convaincu et puis dans ton cœur tu as de l'admiration pour cet homme qui parle sa langue maternelle dans un registre soutenu. Donc finalement il y a la confusion entre celui qui écoute et celui qui lit, celui qui explique et celui qui écoute. Donc c'est un problème sérieux aujourd'hui. Il y a plus de prédicateurs et l'église a aussi plus de problèmes. C'est-à-dire que tu travailles, un prédicateur sort de nulle part, ou il sort de Mars, ou de Saturne, ou de Jupiter, ou des néoplanètes, pour venir te dire que non, quitte ton travail parce que vraiment, ces choses-là, tu dois renoncer à toi, mais tu dois renoncer même à ton travail. C'est pour ça que vous aurez le prédicateur aujourd'hui, tu es marié, légalement, le gars vient par une prophétie, te dit à l'église que ton mari n'est pas ton mari, quitte ton mari là, et puis reviens. Le frère Jacques, c'est celui ton mari. Et c'est ça qui a créé des désordres dans le foyer, en sorte que certaines personnes ont développé une certaine haine noire envers les églises évangéliques. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Comment quelqu'un est marié, il vient dans ton église et tu lui dis que son mari n'est pas son vrai mari, mais que sa femme n'est pas sa vraie femme. Et il faut lui trouver un autre mari dans l'église et vous donnez la femme, à la femme de trouver un autre frère à l'église et puis vous divisez le foyer de trouver. Non, il faut faire attention. Le mariage, le critère du mariage n'est pas basé sur la foi chrétienne. Non, le critère marital est universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut voir des mondains qui se marient, ils sont plus heureux que des soi-disant chrétiens aujourd'hui, soi-disant nés de nouveau, soi-disant enfants de Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Donc, le mariage a des critères qui sont universels. C'est un peu comme les critères universels. Il y a par exemple la pluie et le soleil. Jésus a dit que Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et le méchant et lève son soleil sur le juste et l'injuste. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on appelle dans la Bible les critères universels. Comme le critère de prospérité. C'est un critère universel. C'est-à-dire qu'il y a des principes que tu respectes jusqu'à une certaine dimension. Les principes du travail, les principes de la vision, les principes du rêve. Ça, même si c'est un païen qui applique cela, il sera prospère. Dans l'œuvre de ses mains. Donc, on peut dire quoi? Pour dire que devons comprendre que la vie chrétienne a une récompense sur la terre. Ça veut dire que c'est bête
de venir dire aux gens que non, Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Bon, maintenant, toi, tu dis ça, tu ne comprends même pas ce que tu racontes. Tu me regardes et puis je te regarde et puis on regarde, on sera comme ça, comme deux chiens devant la télévision. Parce que tu parles un langage que tu ne comprends pas. Lorsque tu me parles dans un langage que je comprends et que tu ne comprends pas, alors automatiquement, tu seras ridicule sous mes yeux. Comment tu me lis, frère? Tu lis, et si c'est le charabia, et si c'est l'arabe que tu lis? Même si c'était dans ton propre patois, tu ne comprends pas ton patois sur le français que tu comprendras. Mais entre nous, la Bible dit, tu lis toi-même que rechercher premièrement, ça n'attire pas ton attention, rechercher premièrement le royaume de la justice de Dieu et tout le reste, toi-même tu cites, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Après, tu veux m'expliquer que non, vraiment, ça veut dire que, tu vois, dans le bon français, c'est-à-dire dans le français de nos aïeux, ça signifie que tu dois rechercher les choses du ciel, ça rechercher les choses de la terre. Mon ami, tu as fréquenté, tu n'as pas d'école, c'était où? C'était où? Même l'école que ma grand-mère faisait là-bas, derrière là-bas, puis toi, dans les herbes où on partait, on ne sait pas, les gens missionnaires et tout ça là. Non, même là-bas, quand on lit Matthieu 6, 33, on comprend. Hein, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. En français, quand on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui suivra. Il dit rechercher d'abord ce qui est en haut. Il dit, si vous êtes en Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez d'abord, en priorité, premièrement, les choses d'en haut. Et il dit, et tout le reste, les choses d'en bas, vous seront données. Il ne te prive pas des choses d'en bas. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, bien-aimé. Je pense que dans cette génération, nous, en tant que prédicateurs, on a besoin d'une rééducation. Il faut une rééducation, il faut une rémentalisation. Voilà, ne va pas chercher rémentalisation, rémentaliser dans le dictionnaire, parce que c'est ce qu'on appelle la forgerie en français. C'est une figure de style qui me donne droit d'inventer un mot qui s'y a l'idée que je veux développer. Donc, pour dire quoi? Tout simplement que un chrétien, c'est l'excellence. Le christianisme, c'est l'excellence. Le vrai christianisme, bien aimé, c'est l'excellence. Je vous dis la vérité. Lorsque tu comprendras le vrai christianisme, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit, par exemple, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, chaque chose sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, maintenant, quand tu réfléchis bien, c'est une histoire même de raison, la bonne raison, bien-aimé. La bonne raison. Tu es chrétien, tu es élève, tu dois être premier. Tu dois être premier. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas être deuxième de ta classe. Si tu es né de nouveau, tu es deuxième dans ta classe, tu as échoué. Tu es né de nouveau, tu vas en marché, on n'achète pas ta marchandise. Bien, mais tu as une honte pour le christianisme, tu as échoué. Non. Pourquoi? Il dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les mauvaises choses sont passées. Le blocage est passé. La sorcellerie n'a plus d'influence sur toi. La sorcellerie qui a bloqué tes grands-parents, qui a bloqué tes parents, qui a bloqué ton père, qui a bloqué ta mère, ne te bloque pas. Qu'est-ce qui reste devant toi? C'est la prospérité. Tu peux réussir, tes parents échouer maintenant. Hein? La maladie qui a tué ton père, qui a tué ta mère, qui a tué ton grand-père, qui a tué ta grand-mère, le sang de Jésus t'en délivre. Qu'est-ce qui te reste? La prospérité de la vie, qu'on appelle la longévité. Les choses anciennes là, qui détruisaient ta vie, ont été détruites. Bien aimé, qu'est-ce qui reste? La pauvreté est détruite dans ta vie. La malédiction qui faisait que dans ta, la, parmi les enfants de ton père, de ta mère, personne n'avait jamais acheté un vélo rouillé. Le vélo qui est rouillé, personne n'a jamais acheté cela. C'est brisé dans ta vie. Qu'est-ce qui reste? La prospérité, mais bien aimé. Donc, il faut que les gens comprennent le christianisme. Le christianisme vient te délivrer de toutes ces choses dans lesquelles le diable t'avait encadenassé, embrigadé, embouteillé, en sorte que ta vie n'était que l'ombre d'elle-même. Ta vie n'était qu'un tas d'immondices, un conglomérat de souffrances, un agglomérat de pleurs, dont le Seigneur, par sa mort sur la croix, t'a franchi de la puissance du prince de ce monde de ténèbres. Bien-aimé, qu'est-ce qui te reste devant toi? C'est de prospérer. Un chrétien qui est chaud est une honte pour l'église. Allez dire que ce prophète Ferdinand et Kane qui a dit, quelqu'un va chez Sonica dans l'air. On s'en fout. Allez dire. C'est ça l'évangile. Quand tu es chrétien, tu es une ville située au sommet d'une montagne. Aujourd'hui, on te regarde, même un quartier, tu n'es pas. Même une vieille maison, tu n'es pas. Même la maison d'un arrière-grand-mère qui est couchée comme ça d'un côté est plus puissante et plus glorieuse que ta vie devant Dieu. La vie dit que tu es une ville située au sommet d'une montagne. La médiocrité ne va pas avec Dieu. La médiocrité ne va pas avec Christ. Non.
Chrétien, ce n'est pas la médiocrité. Chrétien, ce n'est pas la régression dans la vie. Certaines personnes voyant que leur vie ne donne pas. Certains prédicateurs, certains enfants de Dieu voyant qu'ils ont essayé à gauche, ça va donner à droite, ça va donner devant, ça va donner derrière, ça va donner, sont revenus nous partager leur frustration dans un évangile, même pas métissé, dans un évangile fallacieux, faux. Nous dire que non, vraiment, la prospérité, ce n'est pas de Dieu, les choses de la terre, si, c'est pas de Dieu. Donc c'est du diable, hein. C'est le diable qui a mis ça. Et c'est pour ça que les païens nous devancent dans tout. Après, tu vas finir de prêcher que ce n'est pas de Dieu. Avec ta bouche penchée comme ça, tu vas aller travailler comme garçon de course dans la maison d'un païen. Tu vas donc travailler quoi là-bas, puisque ce n'est pas de Dieu. Mais dans sa belle maison, c'est toi qui lave les chaises, qui lave tout. Ce n'est pas de Dieu. Quand tu finis le travail, il en bat le plat, tu te donnes, tu prends. Ce n'est pas de Dieu. Mais tu vas travailler sur la richesse de quelqu'un pour avoir les miettes. Ce n'est pas de Dieu, bon, tu fais quoi là-bas? Hein? Non, dites-nous, répondez-moi. Faites les commentaires, il n'y a pas de problème, faites-moi les commentaires. On va discuter. C'est la parole de Dieu, frère, voilà ça. Hein? Tout à l'heure, je vais encore lire un petit passage. Non, les choses de la terre, ce n'est pas de Dieu. Et eux, ils prêchent qu'il faut chercher la prospérité. Les chrétiens doivent travailler, ils doivent avoir les belles maisons, ils doivent avoir, ce n'est pas de Dieu. Mais tous les jours, tu es en route, tu veux, Daido sang, colonel sang, la voiture là, qui est les choses de la terre. Mais tu t'assois dedans, paye donc le vrai tarif. Dis que l'on 200 ou c'est 250, c'est même pas le tarif du taxi. Non, dis que l'on 500. Tu dis que l'on 100. J'ai suivi quelqu'un dire, que Mimbo manque 100. Le taximan lui a dit, tu manques, c'est toi qui sens, Mimbo ne sent pas. Là, tu prêches que les choses de la terre là ne sont pas bonnes, mais tu es sur le Benskin. C'est même pas la moto là, c'est même pas les choses de la terre. Et, il fallait marcher à pied comme Jésus. Oui, les choses de la terre là, c'est pas bien, mais tu es en location chez un païen qui a travaillé les choses de la terre, il a eu sa maison, et tu vas louer dans les choses de la terre. Sors, va te coucher au carrefour. Va dormir au carrefour avec ta famille, parce que les choses de la terre, fuis les choses de la terre. Tu peux venir nous prêcher que les choses de la terre, c'est pas bien, mais tu loues dans la maison de quelqu'un, toi-même tu as une maison, fallait dormir dans les champs. Va dormir dans les champs, on saura que vraiment toi, tu as laissé les choses de la terre. Mais sinon, ça veut dire que tu nous trompes, tu nous trompes. C'est même pas nous que tu trompes, c'est toi-même qui nous trompes. Oh, les choses de la terre, là, ce n'est pas bien, vraiment. Vous savez, les chrétiens, vrais chrétiens, doivent chercher le royaume des cieux. Rien que le royaume des cieux, ils ne doivent pas chercher les choses de la terre. Les pasteurs qui prêchent, qui vont chercher, acheter les maisons. Les chrétiens doivent construire sur leurs maisons, construire des écoles, construire des hôtels et tout cela. C'est les pasteurs charnels qui induisent le peuple de Dieu en erreur. Vous conduisez le peuple de Dieu en enfer. Mais tu envoies quand même tes enfants à l'école, dans les choses de la terre. Et ils vont préparer, ils vont apprendre l'école là-bas pour aller où vous devez, pour travailler. Il n'y a pas quoi l'argent, les choses de la terre. Bien-aimés, vous ne vous comprenez pas vous-même. Non, c'est terrible. Tu quittes Yaoundé, tu vas aller à Douala, tu vas prendre le bus. Le bus, là, c'est quelqu'un qui a travaillé son argent, qui a acheté ça. Les choses de la terre. Et tu payes ton billet là-bas, tu prends l'argent, tu viens à Yaoundé, mais tu vas à Douala. C'est ça, les choses de la terre. Marche à pied. Marche à pied, puisque les choses de la terre, l'église ne doit pas chercher ça. Marche à pied. Les païens ont eu pour eux. Tu n'as même pas honte, tu peux entrer dans la voiture qu'un païen qui n'a pas Dieu a acheté, toi qui as Dieu, tu n'as ni rien. Tu parles tellement mal que ta bouche même c'est devenu comme les femmes nordiques, comme pique les aiguilles pour que ça devienne noir comme ça, là, les bouches noires. Pourquoi? Parce que vous ne vous comprenez pas dans cette génération. Ces choses-là, c'est pour vous et pour moi. Ces choses-là, là, c'est pour vous et pour moi. Jésus a dit ceci, il dit, garde jalousement ce que tu as. Retiens-le, de peur que quelqu'un ne vienne te l'arracher. Le diable nous a arraché les richesses de la terre qui étaient pour nous. Il nous a arraché les biens de la terre. Je vous dis la vérité. Ce que vous devez comprendre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les croyants, sa prospérité dans l'attachement à Dieu. Il y a deux types de prospérité. Laissez-moi vous expliquer ça. Il y a deux types de prospérité auxquelles un croyant peut avoir à bénéficier. La première prospérité qu'un croyant peut avoir, c'est la prospérité sans Dieu. Mazalita wa inna grosmen, Adonai wa inesprodo. C'est la richesse sans Dieu. Ouais. La richesse sans Dieu est basée sur des principes universels, le travail. Un chrétien qui travaille prospérera. Comme un païen qui travaille prospérera. C'est ça, vous voyez des païens, ils ne viennent pas à l'église comme toi, ils s'en foutent de la prière, ils insultent même Dieu. Tes églises-là, ils te persécutent même, ils se moquent même de toi, ils se moquent de ton pasteur. Mais cependant, le gars est riche. Toi qui vas même à l'église, tu te demandes que vraiment, finalement, le salaire même de l'affaire, si c'est quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Moi, je prie, je me sanctifie.
Je m'éloigne du péché. Je me force. Seigneur, ma justice. L'homme là, il n'a même pas de justice. La femme, si, c'est une prostituée. Elle ne craint pas Dieu du tout. Elle ne regrette jamais quand elle pêche. Mais elle prospère comment? Et moi qui fais la volonté de Dieu, je n'arrive pas à prospérer. Seigneur, est-ce que tu es devenu injuste? Est-ce que le salaire de tes serviteurs, de tes servantes, c'est l'injustice et la souffrance? Non! C'est qu'en servant Dieu, servir Dieu n'exclut pas que tu dois travailler. C'est ça le problème. C'est que tu ne comprends pas que tu ne vas pas t'asseoir au sein du Seigneur, que les milliards tombent, les milliards au nom de Jésus, les milliards. Mais si ça tombe, est-ce que tu vas reconnaître que c'est ça? Plus ou moins 10 000 francs, tu vois rarement le billet de 10 000. Quand les milliards vont tomber, là, tu ne reconnaîtras pas que c'est les milliards, que c'est ça qu'on appelle milliards. Puis, même millions, tu ne connais pas. 100 000, tu n'as jamais touché. Tu demandes milliards. Quand Dieu va tomber, milliards, là, si ça apparaît devant toi, là, tu vas continuer à prier jusqu'à vieillir, mourir, à demander les milliards. Parce que ça sera devant toi. Tu ne connais pas milliards. Tu n'as jamais vu milliards. Même millions, tu ne connais pas. C'est un problème. C'est un problème. L'éducation qu'on a donnée à l'église, ça fait des longues années. Je prends l'exemple de mon pays, a fait que nous avons pris près de 50 ans de retard sur le plan financier matériel dans ce pays-ci. Plus de 50 ans. Il faut du temps. Il faut des prédicateurs révolutionnaires dans ce pays pour secouer les mentalités qui n'ont pas peur des critiques, qui vont affronter ces vieux prédicateurs, ces prédicateurs conservateurs dans zéro, dans ni rien, qui ne comprennent pas la Bible, ne se comprennent pas eux-mêmes et ne comprennent même pas le peuple vers lequel Dieu les a envoyés. C'est ça, la vérité, bien-aimée. Non, la responsabilité. La première richesse, c'est la richesse qu'on appelle les richesses universelles. C'est-à-dire basée sur des lois universelles, la loi du travail universel. Mais si un sorcier travaille bien, il sera riche. Là-bas, on n'a pas besoin de Dieu. C'est Dieu a mis cette loi-là comme ça. Tu cultives le sol, si tu mets la semence, tu vas moissonner. Mais si tu ne mets pas la semence dans ton sol, tu ne moissonneras pas. C'est une loi universelle pour la richesse. Donc là-bas, un enfant de Dieu peut réussir, tout le monde peut réussir. Mais la deuxième richesse, c'est la richesse avec Dieu. Cette richesse-là, il faut s'attacher à Dieu. Ceux qui prospèrent, c'est-à-dire qui s'attachent à Dieu, qui sont consacrés à Dieu, leur vie appartient à Christ. Ils vivent pour honorer la parole de Dieu. Ils font attention à leur hygiène de vie spirituelle. Ceux-là, maintenant, ont ce qu'on appelle la prospérité divine. Elle est donnée à ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Là, c'est une autre catégorie. Là-bas, il y a des combines. Il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est les combines de Dieu. Vous voyez, c'est les faveurs. Mais en réalité, la grâce, c'est une combine de Dieu. C'est-à-dire que où il faut passer par là, 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 Dieu te donne ça sans que tu ne passes par là. C'est ça. Et là, tu as la faveur, la richesse par faveur divine ou la richesse par grâce divine. Donc, pour dire quoi, un enfant de Dieu qui veut jouir d'une richesse holistique doit travailler et il doit se sanctifier, il doit s'attacher à Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Voilà pourquoi, quand vous lisez, par exemple, dans Job, chapitre 22, le verset 21, il dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Bien-aimé, la Bible dit que quoi? Que « Attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras du malheur. » C'est ça? La Bible promet le bonheur à ceux qui s'attachent à Dieu. Je vais encore lire, va lire dans ta Bible. Job 22, verset 21. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix dans ta vie. » Dans tout ce que tu fais, il y aura la paix. Il dit, et tu jouiras du bonheur. Et tu jouiras du bonheur. Donc, la Bible promet le bonheur. C'est pour ça que moi, en tant que prédicateur biblique, je promets le bonheur à tous ceux qui croient en Jésus. Il y a des gens qui disent que non, vraiment, les églises évangéliques aujourd'hui, on vous promet terre et ciel, et puis on vous promet le bonheur. Vraiment, quand vous arrivez, il n'y a pas ce bonheur, etc. Bon, mais attendez, entre nous. Donc, si on promettait le malheur aux gens, ce n'est pas vous-même qui viendrez avec la police pour dire qu'il y a des églises ici qui promettent le malheur aux citoyens camerounais. Mais comment est-ce que les gens se comprennent comment? Tu promets le bonheur. Et laissez-moi vous dire une chose. Hein. Dans nos églises sont une force pour l'État camerounais, pour les gouvernements du monde. Nos églises sont une force. Les gens doivent comprendre cela. Normalement, le gouvernement doit payer les prédicateurs. Vous deviez nous payer. C'est-à-dire que le gouvernement doit nous payer. Le gouvernement doit nous payer. Le chef de l'État doit payer, il devrait payer les vrais prédicateurs, ceux qui prêchent vraiment l'évangile. Pourquoi? Parce que nous faisons le travail du gouvernement. Le travail que le gouvernement est débordé. Nous avons les conflits à l'extrême nord. On a les conflits au nord-ouest, au sud-ouest, etc. Donc, ça fait que le gouvernement n'a plus le temps d'éduquer les citoyens. Hein? Et donc cette éducation citoyenne, c'est nous les prédicateurs qui la donnons au peuple.
C'est ça la vérité. Vous voyez quelqu'un qui est en congé, c'est un braqueur. Quand il vient dans nos églises, il devient tout comme l'agneau. Mon ami, le gouvernement va prendre combien de temps pour rééduquer ce genre de personnes. L'évangile transforme cette personne-là. Une société, vous voyez, une jeune femme qui était prostituée, eh bien, dans nos églises, là, immédiatement, elle devient sainte. Il n'y a que les bandits pour se fâcher de la conversion de telle personne. Il n'y a que leurs ennemis pour dire, ah, depuis qu'elle allait là-bas, maintenant, oh, il n'y a plus le piment, quelqu'un ne va plus le piment. Non, vraiment, on ne mange plus le piment, on ne mange plus le piment. Dans cette... Non, elle n'est plus vendeuse de piment. Sa pimenterie est fermée directement. Quand tu viens, Jésus, ferme ta pimenterie, c'est fini. On ne crache plus le piment là-bas. Donc, automatiquement, le gouvernement gagne. Il y a des voleurs, des braqueurs, hein, qui venaient des femmes, qui viennent dans nos églises, ils sont convertis, ils deviennent des citoyens normaux, des citoyens sur lesquels l'État peut compter désormais. Bien-aimés, combattre les, je veux dire une chose, les autorités administratives, les gouverneurs, les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, qui s'attaquent aux églises évangéliques, manquent de sagesse. Il manque de ça. Je vous dis la vérité. On ferme toutes nos églises là. Vous aurez affaire à des bandits, à une jeunesse délinquante. Vous voyez, un jeune dépravé, il entre chez nous, l'évangile le transforme. Le gars n'est plus dans c'est-à-dire la mauvaise vie, la vie de débauche, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue, etc. Il abandonne l'alcoolisme. Vous, une nation ira où avec une jeunesse alcoolique? Vous irez où? Avec une jeunesse qui fume le chanvre indien. Vous bâtirez quel genre de nation, pardon, avec une jeunesse attachée au tabagisme. Cette jeunesse n'aura pas longue vie. Ça ne sera que des voyous. Mais lorsque ces personnes arrivent dans nos églises, elles sont transformées de l'intérieur et de l'extérieur, elles deviennent de bons citoyens. Les meilleurs citoyens se trouvent dans nos églises. Vous n'entendrez jamais que dans nos églises, quelqu'un est allé là-bas, avait la bombe, fait exploser la bombe quelque part. Non. Vous n'entendrez pas que non, vraiment ici, c'est la pédophilie. Non, vous n'entendrez pas. Au contraire, ces choses-là sont anéanties. Lorsqu'une personne arrive, elle devient un très bon citoyen, on l'éduque. Donc les vrais prédicateurs éduquent le peuple et font le travail que le gouvernement devrait faire. Donc l'église est une force terrible pour l'État, pour le gouvernement, pour l'État camerounais. Je prends l'exemple de mon pays. Donc un préfet ou un sous-préfet qui cherche à fermer une église où on rééduque les gens, va après avoir affaire à ces personnes qui n'auront plus d'éducation, les braquages, le taux de braquage va monter. Le taux de violence va monter. Le taux de prostitution va monter, etc., etc. Il faut faire attention. Vous ne verrez jamais dans nos églises un rassemblement. On dit qu'on veut prier, on veut marcher contre le gouvernement, ou bien on est dans un parti d'opposition. Il faut faire attention. L'église évangélique est une force à ne pas sous-estimer dans ce pays. Imaginez-vous que les églises évangéliques se lèvent pour dire, ok, nous allons voter pour tel candidat. C'est des millions et des millions de Camerounais qui sont engagés dans ces églises. Les gens jouent. Le gouvernement ne comprend pas encore l'influence. Nous faisons des cultes au palais des sports. On a plus de 12 000 personnes qui sont sur place. 12 000 personnes. On ne parle pas des centaines de milliers de personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, les radios, les télévisions, etc. C'est une grande capacité de frappe, même sur le plan politique. Donc vous vous attaquez à l'église, vous ne comprenez pas que l'église peut faire basculer des élections dans ce pays. Que si l'église dit que nous allons marcher, le pays s'y sera à feu. Si les chrétiens disent que nous sortons dans la rue, que toutes les églises se réunissent et sortent, tous les hommes de Dieu s'entendent, ils disent, ok, nous nous mettons dehors, nous voulons contester la nation si vous n'allez pas la contenir. C'est des centaines de milliers de personnes, au moins des millions de personnes qui vont sortir dans la rue, si vous comprenez l'influence de l'église. Donc, je pense que un bon préfet, un bon gouverneur va chercher de bonnes relations avec toutes les religions. C'est ça la vérité. Un bon gouverneur, un bon préfet, au lieu de combattre les églises là, on fait les bruits, au lieu de combattre, il doit chercher plutôt à gagner ces églises-là en faveur du gouvernement. C'est ça un bon administrateur civil. Il doit être en paix avec les musulmans, être en paix avec les catholiques, être en paix avec les protestants, être en paix avec les évangéliques, etc., 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 être en paix avec les chefs traditionnels. Mais si vous êtes un genre de gouverneur qui lutte contre une fraction de l'église, ou bien des musulmans, ou bien de quoi, dans tous les cas, je vous dis la vérité, vous emporterez la conséquence, vous aurez des problèmes. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, l'église de Dieu, les prédicateurs doivent faire attention. Il nous faut relire la Bible. La Bible dit, attache-toi à Dieu. Donc, le problème, c'est de s'attacher à Dieu.
Il faut dire aux chrétiens de s'attacher à Dieu. Attachons-nous à Dieu et nous serons prospères. Ça revient toujours à Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc c'est ça la vérité. Voilà l'évangile que moi j'ai appris. Ce n'est pas l'évangile que j'ai reçu, c'est l'évangile que Jésus-Christ m'a appris. Ah, au début, nous on a cru hein, à la vraie église de Dieu. C'est la réalité. Hein? Nous avons cru à la vraie église de Dieu. Papa Nissan Toukéa. Ça fait qu'on était renfermés. Hein? Il y a un évangile qu'il faut rectifier. Il y a des erreurs qu'il faut rectifier. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'hérésies dans certaines doctrines que nous donnons et nous pensons être dans la vérité totalement. J'ai été béni à la vraie église de Dieu. Ça, c'est vrai. Ma fondation vient de là. C'est-à-dire que ma fondation de consécration, sanctification, consécration à Dieu, ça vient de là. Il y a ce qu'on appelle la sémence de Dieu dans un homme. C'est là que je l'ai prise, la sémence de Dieu. Quand la sémence de Dieu est dans ta vie, mon ami, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Essaye mille fois, tu vas échouer. Essaye de prendre la voie de ta génération, tu vas échouer. Tu vas commencer, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas faire marche arrière. Tu finis par faire des demi-tours. Ta vie sera toujours un ensemble de demi-tours. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu voudras agir mal ou pécher contre le Seigneur, l'Esprit de Christ ne te laissera pas. La sémence de Dieu en toi va toujours réussir à te ramener en arrière. C'est pour ça qu'on ne surveille pas quelqu'un, on ne veille pas sur quelqu'un. Ton pasteur ne peut pas te surveiller. Le seul gardien de ta vie, c'est la sémence de Dieu en toi. Quelqu'un qui n'a pas la sémence de Dieu en lui va pécher sans regretter, il s'en fout. Il vit comme il veut, il va à l'église, il chante, il prêche, il prophétise, mais il mène une vie complètement délabrée, démembrée, sale, etc., etc. Il ne craint pas Dieu parce que la sémence de Dieu n'est pas dans son cœur. Mais une personne qui a la sémence de Dieu, c'est une personne, non, elle n'est pas libre. En Christ, on n'est pas libre. Dieu t'a franchi l'esclavage pour faire de toi son esclave. Donc en fait, on est tous des esclaves. Il descend l'esclavage à Satan pour faire de toi esclave de la vérité et de sa justice. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, pour dire quoi? Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Hein? Il dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Bien-aimé, tu veux le bonheur, attache-toi à Dieu. Cher homme de Dieu, tu veux le bonheur, attache-toi à Dieu dans ton ministère. Ne laisse pas Dieu loin de ton ministère. Tu n'auras pas de bonheur. Tu veux le bonheur dans ton mariage? Attache-toi à Dieu. On a trop de bonheur, frère. J'ai trop de bonheur. J'ai besoin du bonheur. Je veux être heureux. Un enfant de Dieu doit être heureux. Jésus veut que tu sois heureux, bien-aimé. C'est la Bible. Je te le dis. Dieu veut que tu sois heureux. Dans tes affaires, il veut que tu sois heureux. Depuis que tu fais les affaires, tu pleures. L'argent te fuit comme si tu as tué la mère de l'argent. L'argent te voit, l'argent court jusqu'à les talons, tape. Le front, comment on appelle ici la derrière, ici là, la nuque, hein, le talon de l'argent tape la nuque de l'argent, l'argent te voit, l'argent fuit, l'argent détale, comme si le feu derrière l'argent. Tu ne comprends rien. Non, pourquoi? Attache-toi à Dieu. Commence par t'attacher à Dieu. Tu verras que l'argent va te poursuivre. L'amitié avec l'argent, là, c'est dans l'attachement à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivi d'aucun chagrin. Les chrétiens devraient être les meilleurs dans la société. Les chrétiens devraient être les plus riches dans la société. Les chrétiens devraient être les plus intelligents dans la société. Parce que c'est avec l'esprit de Christ qui a créé les choses visibles et invisibles. Mon ami, on devrait être des génies. Des génies dans nos sociétés. Nos foyers devraient être des modèles, des exemples. Mais tous les jours, tu bagarres avec ton mari. Quand on regarde, c'est ton mari qui est en train de pleurer. Tu es sur ton mari, tu t'habillas, tu n'as pas honte. Tu tapes ton mari, tu tapes, tu cognes, bim, bim, tu tapes. Maintenant, quand les gens arrivent, tu prends ton mari, tu mets sur toi. Tu dis, ouais. Tu tapes ma vie. Sinon, si pas là, tu vas me sentir maintenant. Le gars, il tape avec ses mains faibles comme pour les criquets. Il tape avec comme c'est les mains ou c'est les pattes. Et tu dis, aïe, papa. Dès que les gens partent, tu le retournes. Quand tu dis que tu vas comme ça, bim. Après, tu le portes, tu jettes dans le bim. Viens me donner ça ici, vite. Donc, c'est ça le problème. On n'est pas de modèle. Frère. Nous ne sommes pas des modèles. C'est que Jésus attendait qu'est-ce que nous fussions des modèles. Est-ce que tu es un modèle? Pose-toi la question. Est-ce que tu es un modèle dans ta famille? C'est-à-dire ta famille veut croire. Mais quand il lève les yeux comme ça, il te regarde. Toi-même, la pauvreté, tu es dans le coma. La pauvreté t'a mis dans le coma. Même les garnitures, tu n'arrives pas à voir. C'est-à-dire que si on regarde bien, c'est les foulards. Tous les foulards disparaissent à la maison comme ça. Là, c'est sous ton caleçon. C'est ça la vérité. C'est ça le christianisme aujourd'hui. C'est sous ton caleçon. Tu ne peux pas parler. Tu vis, ta grand-sœur a le bébé, les couches du bébé. La grand-sœur ne comprend pas quelle est cette attaque démoniaque dans la maison, quelle est cette forteresse qui veut toujours voler les couches de l'enfant.
Les couches finissent. Elle ne sait pas que c'est toi qui utilises ça dans tes périodes de menstruation. Mais quand tu ne peux pas demander, tu es obligé de voler les couches de bébé. Pourquoi? Parce que vraiment, tu ne peux pas exposer quand même ta nudité jusqu'à ce point. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, ah, donc depuis que tu es devenu enfant de Dieu, toi qui achetais le feuilletage, qui distribuais le feuilletage à tout le monde ici, c'est vrai que tu vivais dans le péché. Maintenant, on croyait qu'avec ton Jésus-là, tu serais plus prospère. Maintenant, nos couches disparaissent. Ça fait que finalement, à ta cante de couches, quand on te voit, chacun va d'abord mettre les couches dans les cantines, on met les cadenas, bim, bim, c'est fini. Parce que ton passage là va ravager toutes les couches. Vont... C'est-à-dire que tu as fait en sorte que les couches dans ta famille sont devenues une espèce menacée, une espèce rare en voie de disparition. Où la gloire de Dieu est dedans. C'est ça la gloire? C'est pas la gloire. Parfois, les gens ne comprennent pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne prospérons pas. Ils ne comprennent pas ça. Vas-y, lis la Bible. Attache-toi à Dieu, tu auras le bonheur. Et puis, on te voit, tu vas à l'église. Et ils pensent qu'aller à l'église veut dire que tu es attaché à Dieu. Non. Ce que les gens ne comprennent pas parfois, c'est que nous allons à l'église, mais nos vies ne sont pas sérieuses. On n'est pas sérieux avec Dieu. On va à l'église, mais vraiment, ce qu'on fait après n'est pas bien. La manière dont on vit après n'est pas glorieuse. La main de Dieu n'est pas dedans. La vie de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire non au péché. Toi, tout c'est oui. Toute ta vie, c'est oui. C'est oui. Tu ne dis jamais non. J'ai dit à une soeur, elle, je sors de mon bureau. Toi, tu ne peux pas dire non. Tout le monde la drague, elle dit seulement oui. Tout le monde la drague, elle dit oui. J'ai dit que c'est ça. Dans ta bouche, là, il n'y a pas de nom dedans. Dans le dictionnaire de ta vie, là, il n'y a pas un nom dedans. Tu peux aussi dire non à un homme. Tu es obligé. J'ai dit, sors de mon bureau. Ouais. Donc, mes amis, nous avons perdu du temps. Si un prédicateur te dit que tu ne dois pas être riche, quelqu'un me disait, j'étais avec un de mes fils, hier nous sommes sortis. Il me dit que papa, l'argent c'est bien. L'argent c'est trop bien. Dieu était fou de créer l'argent. Ça dit que vous nous réfléchissez. Parfois, je ne sais pas, même les moutons du nom. Moi-même, je lavais les moutons. Non, je ne réfléchis pas comme vous. Je lavais les moutons. Sur la benoît, ça dit que tu as yakbi garo, tu as alari, tu as yoti, benoît, tu as yakbi, tu as pomme benoît, alari, elhat, amadou, aïjolo. Donc quand tu travailles la benoît, on lavait les moutons là-bas. Mais je sais que l'argent c'est bon. L'argent, c'est très bien. Vous avez dit, non, l'argent, c'est pas bien. Oh, les églises, on prend l'argent. On demande les offrandes aux gens. Oh, vraiment, on enseigne aux chrétiens, chercher l'argent, etc. Après la fin du mois, tu vas te mettre à genoux devant ton bailleur qui est un païen, qui est supposé être ta brebis, pour supplier, raconter comment ton grand-père était mort, appelé ressuscité, comment ta grand-mère, on sait pas, elle a disparu, comment vraiment ton père avait enceinté ta mère, même on a failli emprisonner ton père, et ton père a épousé ta mère par force. Et donc, c'est dans cette réunion, cette union malencontreuse là que toi, tu es né. Et donc, pour finir par dire que pardon, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Tu n'as pas honte de t'humilier. Ton bailleur devrait être ton locataire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça, la vérité. Ton bailleur devrait être ton locataire. C'est pas toi qui devrais être le locataire de ton bailleur. Tu devrais être le premier et non pas le dernier. Donc, bien-aimé, attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur et la paix dans ta vie. Ta vie est troublée parce que tu n'as pas l'attachement à Dieu. Tout vrai enfant de Dieu, quand il se détache de Dieu, sa vie est troublée. Tu n'as pas la paix quand tu es loin de Dieu. Mais si vous êtes heureux loin de Dieu, vous n'avez jamais été attaché à Dieu et la sémence de Dieu n'est pas en toi. Non, moi je ne peux pas être heureux loin de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Si j'essaye même, ça va me dépasser. C'est ça la règle. Les gens doivent comprendre ça. C'est comme ça, la sémence de Christ est en nous. Si je me détache de Dieu, je n'ai plus la paix. Si je fais ce que Dieu ne veut pas, je n'ai plus la paix. Si je m'attache aux fables, je n'ai plus la paix. Mon bonheur et ma paix se trouvent dans l'attachement à Dieu. Et si tu t'attaches à Dieu, ton bonheur reviendra. Dans tous les domaines de ta vie, tu seras heureux. Voilà ce qu'on doit t'enseigner. Quelqu'un t'enseigne parce qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un te dit que l'argent n'est pas bien, il te ment. Parce qu'après, quand il finit de prêcher comme ça, il prend 40 jours de jeûne. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je dois envoyer les enfants à l'école. Seigneur, ne vous fiez pas à ce que les gens vous prêchent. La plupart d'entre nous, c'est des hypocrites. Quelqu'un te dit, l'argent n'est pas bien. Va le voir. Il travaille un bambé chez quelqu'un, la soeur coule comme ça, là, pour avoir 200. Et il vient te tromper. Et tu abandonnes ton travail. Toi aussi, bête plus que moi-même qui lavais le mouton là-bas, sur le pont de la Bénin. Tu abandonnes ton travail. Maintenant, tu ne réfléchis pas, je vais nourrir ma femme comment après. Je vais nourrir les enfants comment. L'avenir des enfants sera comment. Tu faisais ton business, tu viens à l'église, tu étais prospère. On te dit que non, abandonne tout ça pour servir Dieu. À moins que Dieu ne t'apparaisse pour te dire qu'il abandonne. Mais quand on te dit non, il faut abandonner tes études pour servir Dieu, tout cela, je dis que c'est un évangile qui est contre l'église et qui nous a fait perdre plus de 50 ans de retard. Et il faut que ça s'arrête. Je prie Dieu pour des prédicateurs révolutionnaires dans cette nation. Et je prie pour mes fils,
pour tous les hommes de Dieu qui se disent être mes fils, qui sont nés de ma généalogie, c'est-à-dire qui appartient à ma généalogie prophétique, que l'esprit de la révolution dans les prédications leur soit donné. Ne soyez pas des prédicateurs qui prêchent tout simplement l'évangile. Non, prêchez l'évangile pour transformer les vies. Prêchez l'évangile pour influencer votre génération. Prêchez l'évangile pour changer les mentalités, faire avancer les mentalités dans la maison de Dieu et dans la société. Chers amis, attachons-nous à Dieu, nous serons le bonheur. Que personne ne te mente. Celui qui est attaché à Dieu, la Bible dit qu'il a le bonheur, non le malheur. Si quelqu'un te dit qu'attache-toi à Dieu, et puis le malheur sera ton partage, fuis-le. C'est l'ennemi de ta vie. Il est plus dangereux que le diable. Donc Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur. Je veux bénir ta journée, je veux bénir ta semaine. Nous allons nous voir demain dès qu'il sera 6h. Nous allons prier et vendredi ne manque pas. Dieu veut te mener vers de vers pâturage. Quel que soit le problème de ta vie, s'il te plaît, prends ta voiture, viens à Yaoundé. Fais de la nuit des flammes un événement sérieux pour ta vie. Un événement d'intimité entre toi et ton Dieu. Viens prier Dieu, dis-lui je te donne ma nuit. Tu as Douala, tu as Bafoussam, tu as Boya, tu as Bamenda, tu as Garouanga. Tu peux prendre ta voiture, tu prends ton train, tu prends ton avion, tu viens. Donne de la valeur à ton Dieu. Dieu te donnera de la valeur au milieu de cette génération. Nous voulons voir des enfants de Dieu qui peuvent voyager juste pour aller passer le temps avec Dieu. Pas pour aller faire le business, pour aller passer le temps avec leur Dieu. Qui veut prendre leurs femmes, leurs enfants, dépenser d'énormes sommes d'argent. Pas pour louer une maison, pas pour acheter un terrain, juste pour aller assister à la nuit des flammes. Je t'attends. Comme tu viens, que la main de Dieu soit sur toi. Tes maladies vont te quitter. Tu ne retourneras pas avec cette maladie-là. Les fardeaux de ta vie vont te quitter. Tu ne retourneras pas avec tes fardeaux. Le Seigneur nettoiera les larmes de tes yeux. Il nous conduira vers de verts pâturages. Tends ta main vers ton écran. Toi qui es malade, sois guéri. Dans le nom précieux de Jésus, je menace cette maladie dans ton corps. Je lui ordonne de te quitter, de t'abandonner maintenant. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu manifestes ta magnificence dans nos vies. Que tout malade soit guéri. Reçois ta guérison. J'ordonne à cette maladie de te quitter de la plante des pieds à la chevelure de ta tête au nom précieux de Jésus. Je bénis ta journée. Va et sois prospère. Oui, que l'attachement à Dieu soit ton héritage. À partir d'aujourd'hui, que ton cœur soit lié à celui de Jésus, à celui de Christ. Que ton cœur soit lié au Saint-Esprit. Qu'une intimité profonde et grandissante et prospère, fleurissante, soit ton partage dans ta relation personnelle, individuelle avec Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Tout esprit qui s'attaque à ta relation avec Dieu, ta vie de prière, de méditation, de sanctification, la confusion sur sa tête au nom précieux de Jésus-Christ. Je commande que la prospérité qui vient de l'attachement à Dieu soit ton partage. Je bénis ta journée. Va et sois prospère en cette journée. Aucun de tes ennemis ne résistera devant toi et ne tiendra à ta vue. Au nom précieux de Jésus, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Dis amen. Et tu es béni, tu es guéri, tu es prospère. Et l'Esprit de Dieu est sur toi pour attacher ton cœur à celui de Christ. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain dès qu'il sera 6 heures. You are blessed. Au nom de Jésus-Christ. Amen.